Et David? Ils ont fait un beau trou. Première catégorie, normalement dans leur troisième tour, je pense. Hein. On a fait le premier tour avec les 1, j'ai attendu. On a fait le deuxième tour avec les 2. Ouais, ça doit être leur troisième tour. Avec un gros écart derrière le rien. Alors, on a reconnu David Lalleux. J'ai vu des mecs de Méricourt aussi, ou des Tourquenois. On va essayer de faire l'inventaire. Hein. Aujourd'hui, j'ai un accompagnant de classe qui va vous faire le commentaire de la course avec brio. On aurait bien pris les deux frangins, mais derrière, c'est le bordel. Et moi, ils sont une douzaine. Hein. Il y a Laurent Leva aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, que je suis content. C'est même pas le reste du peloton, ça c'est un groupe de contre. Hein. Et en trois morceaux au moins. Et avec le vent qui fait, ce groupe de 12 ici, sans problème, ils vont aller au bout. Sans aucun souci. Hein. Alors, qui est-ce qu'on a là-dedans? Bon, les Méricourtois, ils sont en masse. Hein. Et David. Bah nous ça va. Bon ben comme ça on a vu tout le monde. Hein. Donc on a vu Jérôme Mu, Fabrice Vastin, Arnaud Duhamel, David Lalleux, Laurent Leva. On en oublie, le mec de Saint-André, on pense que c'est Charlie Dubois. En tout cas il y a du bon monde. Hein. Bonjour monsieur Naman. On va attendre ce qu'il y a derrière. Et je vais laisser tourner une fois. Comme ça on verra l'écart. Il y a un bel écart. Hein. Après je laisse plus tourner parce que c'est trop long. Quand on regarde c'est trop long. Mais... C'est bien que tu veux courir comme ça. Ah ouais c'est rigolo. Hein. Ah, le mieux ça sera en moto. Ah ouais, c'est sûr. En voiture, s'il y en a un qui fait un écart. Bon, ils sont tellement habitués, tu sais, ils m'engueuleraient hein, si je les gênais. Ils sont tellement habitués, toi, comme là. Ah ouais, c'est possible. Tu vois, ils sont sympas, ils se mettent à droite, ils peuvent prendre toute la route. Ouais, non, bah, il n'y a pas de souci. Oh la vache, commence à castonner là. En... Sur un tour, hein. Eh ben. Je vais regarder à combien on était, mais on devait être à... On devait être... Je vais l'ouvrir dans ma vidéo. Les voilà.
là il y a encore deux mairies courtois. Un Aluin, un Fache, deux Fache, deux Biages, pardon. Ça, c'est donc le groupe de contre, et derrière, on a encore ce qui reste du peloton. Bon, je crois qu'il y a le compte après. Hein. Une minute 20. Non mais tu vois le trou que ça fait toi. Ils sont là-bas les Indiens, on voit la voiture clignotante là-bas ouais. Devant. Ouais, c'est pas si loin, enfin. On va aller prendre une fois en latéral pour voir qui s'agit. Quand ça roule vite, il n'y a pas intérêt à te mettre en contresens. T'es vite rentré chez toi. Tout le monde a l'air de passer. Naman, il tourne. Hey Christian. Hey Julien. Voilà, comme ça on a tout le monde. Bon, on va attendre le dernier groupe. Voilà, on voit le deuxième groupe là-bas, tout au loin. Ah, on ne le voit plus maintenant. Si. Et ici, c'est le, ben, on peut appeler ça le peloton, qui est archi battu, bien sûr. Hein. Archi battu, du coup, il roule qu'à 48. Non, mais c'est un coup de bourre comme ça, hein.
Là, je viens de mettre en position, oui, le coupe-vent. Pour voir. J'ai mis en position, oui. Je chante exprès, parce qu'il me fait des soucis. Et j'ai contacté Lumix, ils m'ont répondu, mais c'est pas ça. Quand je filme en voiture, j'ai plus de son. Ça me... Bah ouais, il y a un limitateur de volume, qui est... donc j'entends plus le bruit des vélos, tout ça. Voilà, donc là j'étais en position oui, je vais le remettre en voilà, position. Là, je viens de remettre vent coupé non. Donc normalement sans le filtre anti-vent. Mais il était comme ça depuis tout à l'heure. Hein. Là, le peloton qui fait joujou à se tirer la bourre. Ah, si ça les amuse, hein, mais bon, vu les écarts. Après toutes ces péripéties, donc ici c'est une partie du groupe de tête avec Jérôme, Laurent Leva, mais il y en a devant eux. Hein. Les trois sont dans leur dernier tour. Ben, les trois sont derrière nous. Non, ils sont déjà passés alors. Les trois, avec les chutes, on a pas eu le temps de bien voir. Là-bas devant, il y a encore du monde. Hein. Ouais. Ah, ici, on a, c'est sûr, David Lalleux, Fabrice Bastin et... Hey, David. C'est Gérard. Les pompiers qui sont toujours là. Et là, c'est le groupe de tête parce qu'il y a la voiture ouvreuse devant. On devrait donc retrouver Laurent du Arnaud Duhamel. Qui c'est qui nous restait? Dernier tour. Le dernier tour pour les trois hommes de tête. Attention. Ça va qu'on est habitué, tu sais. Bon, dernier tour, je vais essayer de reprendre une fois en latéral pour voir la tête de ces jolis garçons. Et puis bon, on va attendre les suivants. Hein.
Voilà, bon, j'ai laissé tomber les trois premiers, hein, trois du même club. Ici, groupe de contre, avec Gérard, Lalleux et Bastin, pour la quatrième place. Et David. David, il a l'air bien. Ouais. Des warnings qui nous les brisent. Menu. Voilà, on vient tourner à Ageville. Dernier grand bout tout droit. On repasse la nationale et il reste 500 mètres. Hein. Ils sont là-bas, les premiers, on voit la voiture. Allez, comme si vous y étiez, hein. David, il va gagner. Ça va être dur. Oh, eh ben, je pensais qu'ils allaient s'accrocher. Oh, serré. Je remercie la ville de Méricourt. La ville de Méricourt offre 7 bouquets, c'est gentil. Le club des couples, la ville de le Clinique Mutuel qui offre 10 bouquets. Enfin, quand je dis peu,
bien, ce ne sont pas des occasionnels, ce sont des combats d'autres fédérations.